Bonjour à tous, je vous retrouve vite fait donc sur la chaîne Les Geekeries de Babi et Nana. Je suis en tenue de soir et Fabrice est en train de finir de manger. Voilà, le voilà. Mais je vais vous montrer quand même vite fait ce qu'on a trouvé. Donc même ce qui est pour bébé, je vous le montre là. Parce que honnêtement, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo en plus du dimanche. Parce que là concrètement, j'ai absolument pas vlogué pour ceux qui me suivent sur la chaîne de vlog. Donc bref, alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par du Dr. Who. On a encore trouvé, alors c'est le même genre qu'on avait déjà trouvé la dernière fois, c'est ça. Sauf que celui-là, on l'a pas, c'est sûr, avec le TARDIS qui explose en version Van Gogh. Voilà. Donc on a payé 2 €, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est même. Voilà. Ensuite, on a trouvé sur... alors, je pourrais plus vous dire exactement les prix, mais on a trouvé du Mario, hop, le petit truc comme ça, je crois que c'était dans les 50 centimes. Et les petites figurines comme ça, elles étaient à 50 centimes les deux, mais elles prennent vraiment pas de place, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Elle est toute minuscule. Saint-Jésus. Prix. C'est rien, t'as pas mal. Celle-là. Je vous montre les petites comme ça c'est fait. On a celui-là. On a celui-là. Assez marrant d'ailleurs. Celui-là, trop mignon d'ailleurs. Voilà. Celui-là. Un petit Mario. Et il a trouvé également dans les petites choses comme ça 2 fèves Simpson. Maggie. Et un qu'il a peut-être déjà, mais il m'a dit c'est pas grave, ce sera pour Lucas au pire des cas. Il a déjà un Homer comme ça en plastique. Que je pourrais même d'ailleurs lui mettre avec ses jouets. Vous savez, j'avais acheté des jouets Toy Story de bain. Et au niveau de la matière, c'est un peu la même. Évidemment, il faudra le laver. Hein. Mais il a déjà Homer que j'avais mis dans sa maison, dans sa chambre. Je peux éventuellement le mettre là. Alors. Oui, je l'ai montré, il est trop mignon. Fabrice s'est trouvé pour 50 centimes la Mystery Machine. Alors, c'est une version qu'il a pas. Qui est très rigolote. Après, bon, s'il l'a déjà, au pire, ça ira pour Lucas. Hein. J'ai trouvé de la vaisselle Simpson également, un bol comme ça qui est vraiment sympa. Je sais pas si Fabrice voudra boire avec ou quoi. Non. Bon, bah il le mettra je ne sais où dans sa collection parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette petite tirelire que je trouve trop mignonne. Vous voyez, il y a le petit trou derrière. Mais bon, pas forcément en tirelire, hein. Même comme ça en déconne, je la trouve vraiment sympa. De Mickey, je l'ai payé 1 €. Je vais faire comme ça. Ensuite, je suis assez contente puisque j'ai trouvé à Fabrice des livres Star Wars. Donc celui-ci qu'on a payé 1 € et quoi ? Je vais expliquer qu'au début j'avais pris que celui-là. Alors oui, non mais j'allais l'expliquer. Parce que dessus il y a Dark Vador, je crois. Il y a Luke Skywalker et il y a George Lucas. George Lucas, voilà. Et en fait, elle voulait nous faire après 7 € le lot que je vais vous présenter. Et du coup, Fabrice m'avait dit, bon, bah, je prends que celui-là, du coup. Ok, sauf que j'ai dit à Fabrice, j'ai dit à Laura, la sœur à Fabrice, écoute, Fabrice, nous, essayer de négocier le truc à 5 €, je te passe un billet de 5. Et du coup, elle a réussi à négocier. Et j'ai pris donc tout le lot là que je vais vous montrer pour 5 €. Donc il y a un double livre ici, Star Wars, La Main de Trône 1 et La Crise de la Flotte Noire ici comme ça. Hop. C'est des livres apparemment qui n'ont même pas été lus parce que regardez, il y a encore l'emballage. Hop. Faut juste que Lucas n'aille pas dessus. Ça va me faire des longues pauses pour ce caca. Hein. Ouais, parce que Fabrice aime bien, vous le savez, maintenant, lire aux toilettes. Donc, on a Vision du futur ici. Ils sont vraiment en excellent état.
Le bouclier furtif. Franchement, ça valait pas le coup de s'en passer. C'est 1€ le livre, mais ils sont magnifiques, quoi. Et à la base, bon, à la base, dis-vous 4,88€. Ça va. Mais bon, ils sont jolis. Le défi du tyran ici, donc tout avec Luke Skywalker, avec Han Solo, Leia et Chewbacca. Hein. Voilà, donc ça. Ensuite, je vous montrerai à la fin dans cette vidéo les trucs que j'ai pris pour Lucas, parce que je vais pas m'amuser à faire deux vidéos du coup là. Fabrice s'est trouvé pour 2€ le steelbook comme ça collector de Iron Man. Vraiment un très très beau DVD. Hein ? Ah, c'est le 2, oui, j'avais pas vu que c'était le 2. Je crois qu'on n'a pas le 1. Je suis pas sûre qu'on l'ait. Ah, si. Si, on l'a. Mais version simple. Là, c'est version collector. Vraiment très jolie. Pour 2€, franchement, ça valait pas le coup de s'en passer. Et pour 5€, il s'est pris. Je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, il s'est fait plaisir. Ouais, oui, mais bon, ça fait quand même cher. Moi, d'habitude, mes saisons, je les prends à 1€. Mais bon, après, 2€. Mais. Il s'est fait plaisir, il s'est pris The Shield parce qu'il aime beaucoup cette série. Et je sais pas combien de saisons. Je sais pas, dites-nous en commentaire. Mais voilà, il s'est pris The Shield. Ensuite, moi, pour 50 centimes, je me suis pris des DVD, mais ils sont tous en anglais. Donc au pire, il y a le sous-titrage, c'est pas grave. Mais on se les retrouvera peut-être en français plus tard. Mais quand j'ai vu celui-là, je l'ai pris parce que j'aime bien Casper. Donc voilà. Du coup, j'ai pris The Spider Week, mais bon, pareil, hein, en anglais, du coup, c'est moins intéressant. Enfin, donc, c'était plus pour Lucas. Faudra que j'essaie de le trouver en français. Et non, puis, le dernier Indiana Jones. Laisse-toi de là. Ici, pareil, hein, qui est du coup en anglais. Faudra qu'on se retrouve en français, mais je les ai payés 50 centimes, donc ça va. Ensuite, alors, j'ai trouvé un livre pour Lucas que je trouve génial. En fait, j'ai craqué à la base parce que je le trouvais magnifique. Donc, il se présente comme ça, vous voyez, il y a des reliefs et tout, machin, il est super joli. J'ai regardé vite fait à l'intérieur, je trouvais ça trop joli aussi, très sympa. Et en plus de ça, Fabrice, il me dit, t'as vu, c'est un livre qui pue. Je dis, pardon, un livre qui pue, c'est-à-dire. Et en fait, c'est le premier livre qui pue et qui sent bon. Voilà, c'est marqué là, hein, c'est écrit dessus. Je vous montre. Et en fait, ils expliquent derrière que ce livre est le premier au monde avec 8 odeurs. Il contient des pages spéciales. Grattez l'image et sentez, vous verrez comme ça pue ou comme ça sent bon. J'ai regardé, je suis tombée sur une page, c'était dans une grotte. Voilà, c'est celle-là. Il est marqué, ça pue, ça sent le soufre. Et alors, effectivement, quand tu grattes, ça sent comme l'odeur du pétard au 14 juillet. Voilà, donc j'ai trouvé ça super rigolo et ça ira dans la collection de Lucas. Pour lui plus tard, et franchement, je suis fan du livre. Quoi. Je suis complètement fan, je trouve ça génial. Ensuite, j'ai trouvé le projet Blair Witch. Il me semble pas que je l'ai, mais c'est un DVD que je cherchais. Donc je suis très contente. En plus, c'est la version collector, donc très bien. Édition double DVD. Il me semble que j'avais d'ailleurs déjà la version double DVD à l'époque, mais c'était pas dans un fourreau comme ça. Et je l'ai payé 1€, il me semble, donc je suis très contente parce que c'est vraiment un film que je voulais revoir. Je crois que c'est mon premier DVD que j'ai eu de ma vie. Celui-là, avec le sixième sens, c'est les deux premiers que j'ai eu, et du coup, je les ai regardés, mais voilà quoi. Et sixième sens, il me semble que je l'ai eu. Ensuite, pour 1€ le livre, j'ai pris Une histoire par jour de Walt Disney. Alors, j'en ai 3, il m'en manque un, parce que c'est par saison. Donc, j'ai l'automne ici. Hop, c'est des très très vieux livres. Alors, je n'ai pas regardé de quand ça datait. J'ai vu qu'ils étaient très beaux et en excellent état. Donc, je les ai pris. Est-ce que c'est marqué quelque part de quand ils datent? Peut-être devant, éventuellement. Je vais essayer de voir ça. Mais il y a automne, été, printemps, je crois. Et il doit me manquer hiver. 1980. Donc j'ai automne, j'ai le printemps là. Et j'ai l'été, mais il manque l'hiver. Si éventuellement il y en a qui trouvent l'hiver, voilà. Je le recherche. Bon, peut-être qu'on le trouvera en grenier. Ensuite, j'ai trouvé pour 1,50€ le puzzle ici des Tortues Ninja. J'ai trouvé ça génial puisque c'est la version qu'on avait, ben, nous, enfin moi en tout cas quand j'étais gosse. Je sais pas si Fabrice avait cette version là. Je sais pas s'il y a une date ou quoi. Je vois pas de date. Si, 1990.
Donc moi c'est la version des Tortues Ninja de mon enfance, donc pour 1,50€ je trouvais ça génial. Kawabunga! Voilà, donc je l'ai pris parce que ben, moi j'aime bien les Tortues Ninja, Fabrice aime bien les Tortues Ninja et ben, Lucas il aimera bien les Tortues Ninja aussi. Voilà, ou pas. Ensuite on a trouvé pour Lucas pour 50 centimes, c'est pas pour tout de suite, ça ira en bas dans sa réserve de jouets. Un méga mimo ici qui est pour 3 ans et plus de Cars. Voilà, mais même le ça faut pas que je lui donne hein, parce que c'est pas pour tout de suite hein. Donc ça ça ira dans ça ira en bas. Donc je vais foutre ça là. Il est en train de pousser je crois. Ouais, je crois aussi, hein. Alors que je viens de le changer mais c'est pas grave. Ensuite j'ai trouvé pareil un autre memory Toy Story. Bon c'est un peu dommage que les gosses ils aient collé un sticker ce Europa Park dessus. Mais bon tant pis, mais c'était Toy Story, j'ai trouvé ça chouette. Pareil pour 50 centimes par contre je sais pas si à l'âge, c'est à partir de 3 ans aussi. Donc ça c'est un truc pour... Bon je l'ai vu pour 50 centimes, ça valait le coup, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris à Lucas un petit avion comme ça, parce que je cherche des petits avions aussi. Voilà, pour 50 centimes. Ok, ensuite Fabrice, il s'est trouvé pour 50 centimes aussi le livre. Des grosses BD comme ça, Mickey. Donc il y a celle-ci, il les a pas toutes prises. J'aurais pu les prendre toutes, hein, mais il a pas. Il y en a un, je l'ai pris parce que c'est l'édition collector pour les... C'est celui-là. Ah ouais. Pour les 20 ans, je crois. Non, 50 ans de Mickey. En fait. Après, il a pris celui-là. Et Mickey Parade Giant. Donc, c'est pareil, c'est des livres qui se lisent ça, bien au shot. C'était marqué magie, machin, un peu. Bon, voilà, c'est des livres qui se lisent bien au shot, hein, on va dire. Quoi, comme, au shot, hein, ouais. Au shot, oui, parce que Fabrice, vous le savez. Bref. Non, moi, je fais caca en lisant, je m'instruis en faisant caca. Bref, j'ai demandé à Fabrice qu'il me prenne le « Avez-vous trouvé Charlie ?» parce que c'est des livres que j'aimerais avoir. Je crois qu'il y a d'autres sortes, il me semble que j'ai vu sur la chaîne de Happy Together 17, qu'elle en a des trucs de ce style-là où il faut trouver des choses, mais c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes bouquins. Donc ça m'intéresse aussi, mais j'aime bien les Charlie. Et donc du coup, voilà le premier Charlie, celui-là qui viendra... dans notre collection et je vais essayer d'en trouver plusieurs parce que je trouve ça super sympa. Qu'il soit pas tout gribouillé, quoi. Non mais bah oui c'est sûr. Je sais même pas combien tu l'as payé celui-là. Tu l'as payé combien? Mais c'est le genre de livre que je veux avoir parce que ça fera travailler l'esprit aussi à Lucas, de rechercher, etc. etc. D'observer. Donc et puis même pour nous c'est rigolo. Donc ça c'est le genre de livre que je veux. Donc où avez-vous trouvé Charlie, ou cherche-trouve je crois les autres, l'imagerie pareil je fais la collection. Il y a les petits, alors quand j'étais gamine j'avais des petits livres blancs comme ça, pas plus gros que ça, avec les dinosaures et il y avait des feuilles transparentes et vous appreniez le dinosaure machin truc et j'aimerais bien en trouver des comme ça. Il y en a chez notre médecin d'ailleurs dans la salle d'attente et je voudrais bien retrouver des livres comme ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé envie de grenier. Il y a l'imagerie que je veux trouver. Monsieur est debout. Voilà, Lucas maintenant est debout. Ouais, bah oui, bah, il y a des voix à la gravité. Elle te rappelle à l'ordre. Hein. Eh ben oui. Donc voilà. Donc il y a plein de sortes de livres que je veux trouver. De temps en temps, je me prends aussi un ou deux Martine quand ils sont pas chers et tout, que ça vaut le coup. Là, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Speedy Gonzales. Des Looney Tunes, donc je trouvais, j'étais trop contente quand je l'ai vu. Donc celui-là, il viendra dans la collection. Voilà, parce que j'aime bien aussi les Looney Tunes. À petite dose, parce que bon, par exemple, les Titi, je faisais la collection, mais maman, trop de Titi tue le Titi. Donc j'en ai gardé plus qu'un, c'est le Trick or Treat, donc le spécial Halloween où il est déguisé en petit diable. Donc j'ai gardé que celui-là. Voilà, et puis donc, si je peux en avoir deux, trois comme ça aussi, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, je suis très contente, il y en avait trois sur le stand, j'en ai pris que deux parce que le troisième était un peu rayé et tout, il n'était pas très beau. Il était rouge avec Mickey dessus. Et j'ai pris les deux autres parce que franchement, c'était obligé, quoi. Obligé, regardez. J'ai trouvé des thermos comme ça, Disneyland Paris. 3€ l'unité quand même. Donc j'ai trouvé celle-ci et celle-ci elle est juste mais magnifique. Vous êtes d'accord avec moi, elle est magnifique. Je suis trop fan quoi. Donc,
Voilà, et j'ai trouvé également un énorme verre comme ça, que je pense après faire un petit tri là-bas et mettre sur le bar, parce qu'il est trop beau, et ça ira très bien dans cette pièce ici, parce que c'est là où il y a les films, il y a les DVD Disney, enfin voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé aussi 50 centimes, le grand verre. Ensuite, je me dépêche quand même, puisque ça fait déjà un petit moment que je vous parle. J'ai trouvé ceci pour Lucas, c'est à partir de maintenant, c'est du 6-18 mois. Ça ressemble à des Lego, c'est Disney, c'est Clémentoni, non, oui c'est ça. C'est Clémentoni, en fait, je vous montre vite fait, c'est des trucs en silicone comme ça, tout mou. Je trouve ça mais juste génial. Il vient de faire bon. Et donc il y en a plein. Et ça va aller dans une de ces caisses là-bas. Il va être ravi. Et je suis contente d'avoir fait cette acquisition. Hop. Pour le petit. Ensuite. Donc j'ai pris à Luca des livres encore une fois. Parce que j'ai vu sur la chaîne de Cindy Ch'ti qu'elle avait... pris pour son petit des livres en noir et blanc parce que les enfants ils adorent le noir et blanc, ils voient bien les contrastes et tout, donc je les ai pris, c'était 50 centimes l'unité. Par contre je suis dégoûtée parce que j'ai laissé malheureusement celui-ci à Lucas et regardez ce qu'il m'en a fait de la charpie. Voilà, donc je suis ravie, merci Lucas, heureusement que je les ai payés 50 centimes. Enfin bon, ils sont quand même mignons. Ils sont quand même mignons. Fabrice est en train de mourir asphyxié parce que Lucas vient de faire un gros cadeau. Je m'en occuperai après. Ah vache. Hein. Non mais c'était pour vérifier. J'ai eu comme une odeur qui est montée là. Ensuite, pour Lucas, j'ai pris pour 50 centimes. J'ai trouvé ça top. Mais il faudra que je les lâche quand même un coup, je pense. C'est des petits. C'est des livres en tissu. Les livres en tissu en général, je les lave. Hein. Oui, donc voilà. Donc, hop, pour 50 centimes, c'est trop chouette. Ensuite, un petit livre comme ça pour le bain, petit loup, parce que j'aime bien petit loup. Donc ça, ce sera pour le bain, donc il n'y a pas besoin de le laver, ça ira dans le bain. Voilà. Ensuite, toujours sur le même stand, pour 50 centimes, mes doudous, avec des petits trucs comme ça à toucher. Donc ça, je trouve ça super sympa. Donc encore un petit livre dans la collection de Lucas. Donc ça ira où ça. Alors j'ai trouvé ça pour 50 centimes, je l'ai pris sans hésiter. Voilà, c'est un peu vécu on va dire. C'est pas pour tout de suite non plus. Mais quand j'ai vu que c'était du Dragon Ball, forcément je l'ai pris. Ensuite, alors ma belle-sœur me dit ah, t'as vu, il y a du 3 ans, il y a du 3. Parce que elle pour son fils qui a un an de plus que Lucas, comme vous le savez, elle lui prend des habits pour l'instant en 3 ans qui sont pas encore pour tout de suite puisque pour l'instant il m'a encore du 24 mois. Mais moi quand je, comme je vous l'ai dit, même si pour l'instant il m'a encore du 18 mois pendant allez, 2 mois. Non ça va là. Oui ben ça va là, mais je voudrais être donc normalement d'ici 2 mois, voire 3 mois, Lucas il va passer aux 24 mois. Voilà, et son cousin passera aux 3 ans, donc elle va me repasser le 24 mois. Et par contre, je pense que d'ici très peu de temps, Lucas et Ethan mettront la même taille. Donc j'essaye de commencer à prendre quand même de temps en temps, quand je vois des pièces qui sont pas chères et qui me plaisent, des petits habits en 3 ans. Donc là, je suis tombée sur une veste que j'ai flashée dessus. Je demande le prix, elle me dit 50 centimes. Ok, je prends. Voilà la veste, elle est neuve, quasiment. Et c'est du Adidas, donc forcément, franchement, j'ai pris sans hésitation. Hein. Ensuite, sur un stand, j'ai également trouvé un petit pantalon comme ça, que je trouvais très sympa, de la marque Cric, pour 50 centimes aussi. C'est du 3 ans, donc comme ça, encore une pièce qu'il aura pour plus tard. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je cherchais des bottes. Donc j'en ai trouvé deux paires. J'en ai trouvé une paire pour maintenant, qu'il faudra quand même que je nettoie. Donc ça va passer à la machine, mais pas au sèche-linge, bien évidemment, parce que c'est des bottes en plastique. Donc c'est des petites bottes comme ça, de la marque Aigle, que j'ai payé 50 centimes. Donc comment vous dire que là, sans hésitation, je les ai prises. Voilà, donc ça, ça ira au sale. Et donc là on a également sur le même stand, j'avais une paire en 24 mois
Par contre, je sais pas ce que c'est la marque. Il est marqué G et G en dessous. C'est du 24 mois, mais bon, pour 50 centimes, 24 mois, du 24, je le prends pour plus tard sans hésiter non plus. Ensuite, je cherchais des petits chaussons pour Lucas parce que bon, ça commence à... Comment vous dire, là, les chaussons, ceux qu'il avait, ils y vont plus. Donc, je lui ai trouvé des petits chaussons en cuir comme ça, du vrai cuir, hein, de la marque DPAM. C'est du 20-21, hop, en cuir. Les autres, elles n'étaient pas... Il y avait une autre paire, mais elles étaient plus petites, donc du coup, je ne les ai pas prises. Mais celle-ci, nickel, et en plus, c'est du cuir, c'est de la bonne qualité. Pour être à la maison, c'est très bien, donc je suis très contente. Et j'ai dû les payer 1 ou 2 euros, je pense 1 euro, peut-être même pas, ça se trouve je les ai payés que 50 centimes. Et sur le même stand, je suis dégoûtée parce que c'était beaucoup trop cher. Il y avait des paires de chaussures, mais mon dieu, c'était magnifique. Il y avait des Nike, je sais pas sûr qu'il y avait des Adidas, mais il y avait aussi des Jordans, mais elles faisaient 8 euros la paire, c'est un peu cher. Par contre, j'ai trouvé pour Lucas. Et je suis trop contente parce qu'elles sont trop belles. Des petites chaussures comme ça, Lacoste. Pour 2 euros. Et elles sont en excellent état. Franchement, elles ont été très peu mises. Et c'est du 21. Donc cet hiver, il va pouvoir les mettre. Voilà. Donc très contente. Bon, cet hiver, par contre, faudra pas qu'il neige. Hein. Parce que s'il neige, il faudra que je lui achète, je pense, des boots à un moment donné. Parce que... Quand il va commencer à neiger puis qu'il va marcher, il faudra lui acheter des boots. Voilà. Et puis sur un stand, j'ai également trouvé ces petits chaussons-ci qui, je pense, lui vont maintenant. Il n'y a pas la taille, donc je les ai quand même prises. Hein. C'était pas cher, je crois que c'était 50 centimes ça. Ou 1 euro. 1 euro, je crois que je les ai payés. Elles viennent d'Alsace. Elles sont trop jolies et pour cet hiver, c'est top. Voilà. Voilà tout ce qu'on a trouvé en vide-grenier, donc encore de beaux achats. Par contre, sur le dernier qu'on a fait, un peu abusé quand même certains pour les prix. Une figurine M&M's mais qui était crado et tout machin, l'autre qui nous fait 8 euros. Ma belle-sœur passe derrière, il me dit 5 euros, mais bon, ça reste trop cher pour ce que c'est. Et puis, un peu plus loin, Fabrice, il va à un jeu, c'était le Building Dragon Quest, là. Sur PSTA, un stand où il y avait mais que des jeux vidéo. Ça devait être probablement du revendeur qui fait oui c'est 15 euros le jeu parce que celui-là il est coté. Ok. Et pareil, alors les figurines, des petites figurines pas plus grosses que ça, Star Wars que Fabrice il prend dans la main, il manquait des pièces parce que normalement il s'est censé y avoir des sabres laser et les 5 figurines, la bonne femme elle nous les fait 10 euros. Non, je dis en plus il manque des pièces. Donc non. Oui mais c'est du Star Wars hein. Oui bah même si c'est du Star Wars, il manque des pièces puis 10 euros, 3 figurines comme ça, c'est bon quoi. Ah c'est pas grave, je le vendrai à quelqu'un d'autre. Bah vendez à quelqu'un d'autre, vas-y. Si tu veux vendre à ce prix-là, vends sur internet. Bref, il y en a vraiment qui abusent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Fabrice aussi, même s'il est là puis qu'il est un peu occupé, qu'il vous a pas trop parlé ce soir. Il est fatigué aussi, donc voilà. Et c'est moi qui ai fait la vidéo du coup, même s'il est à côté de moi. Voilà, donc Elsa qui est en train de se frotter sur les chaussures. Et Elsa, petit aparté, elle vient pas de la Reine des Neiges, hein, puisqu'on l'a vu bien avant que le film sorte. Voilà. Bref, on vous dit à bientôt. Bye bye. Tu veux te dire au revoir? Ciao. Au revoir.